Ce que je dis comme enseignement, c'est déjà, vous savez, nous avons joué contre un gros calibre du championnat camerounais et une équipe mythique. Donc, et en fait, qui vient aussi de faire un nouveau recrutement. Vous voyez que le recrutement là, c'était tellement costaud et qu'ils avaient des gars d'expérience. Et nous avons mis juste sur place aussi un jeu de plus médian pour pouvoir moins essayer de contrer le jeu. Bon. Et vous avez vu le but qu'on a pris, bon, c'est le but qui arrive comme ça. Mais je dis encore félicitations à mes poulains et félicitations à l'Union parce que c'était un match vraiment de grande envergure, comme je le disais tantôt dans les médias. Et je tire félicitations aussi au coach qui m'a permis de faire ce match parce que depuis, je ne compétis pas, je n'ai pas de match amicaux. Ça, c'est mon véritable match amical après peut-être 6 mois. Vous voyez que ce n'était pas du tout facile. Je dis félicitations aux enfants. Sur des petits détails, juste des constatations, raison pour laquelle j'ai pris un but. Juste parce que mon gardien s'est mis tellement en confiance qu'il a pris un but comme ça. Bon, c'est des situations qui arrivent dans un match de football. On fait avec ça. Bon, non, je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu. Je vous dis encore, j'avais en face de moi un calibre. Un calibre, regardez autres compétitions. Par rapport à moi, bon, moi je dis encore même, j'ai beaucoup fait d'efforts. Vous n'avez pas vu le ressenti là-dedans. Bon, ce n'est pas automatique qu'à 10 contre 11, on doit automatiquement gagner. Et à 10, on peut gagner et à 10, on peut perdre. Donc, c'est un match de football. Ça se joue. À 10, ça se joue.